Mais demeure béni dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse ce soir pour ta présence dans ce lieu. Et je crois que chacun d'entre nous va recevoir ce que le Saint-Esprit a préparé pour lui. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, lève-toi et marche. Lève-toi et marche, bien-aimé. Dis-lui encore, lève-toi et marche. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, lève-toi et marche. Est-ce que tu peux écrire en commentaire, lève-toi et marche, toi qui nous suis. Lève-toi et marche, toi qui es dans cette salle. Lève-toi et marche. C'est le thème de notre enseignement biblique de ce soir. Lève-toi et marche. C'est le thème de notre prédication de ce soir. Lève-toi et marche. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi et marche. Alléluia. Que Dieu te localise là où tu es. Je décrète et je déclare que tu te lèves et tu marches. Lève-toi et marche pour la gloire de Dieu. Lève-toi et marche, bien-aimé dans le Seigneur. Et pour cela, nous allons prendre notre premier verset biblique de ce soir. Acte 3, verset 8. Acte 3, verset 8. Acte 3, verset 8. Acte 3, verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Acte 3, verset 8. Il se lève d'un bond et se met à marcher. Il entre avec Pierre et Jean dans le temple. Il marche, il saute, il chante la louange de Dieu. Amen. Amen. Lis plutôt acte 3, verset 1. Verset 1 à 8. Lis de 1 à 8. Acte 3, verset 1 à 8. Je lis au nom du Seigneur, acte 3, verset 1 à 8. Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y a un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apporte et on le dépose là. Il demande de l'argent à ceux qui entrent dans le temple. L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer. Il leur demande de l'argent. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui et Pierre lui dit, « Regarde-nous !» L'homme les regarde avec attention. Il pense, ils vont me donner quelque chose. Pierre lui dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Continue jusqu'au verset 8. Pierre prend l'homme par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme deviennent solides. Il se lève d'un bond et se met à marcher. Il entre avec Pierre et Jean dans le temple. Il marche, il saute, il chante la louange de Dieu. Toute la foule le voit marcher et chante la louange de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prendre Jean 5, verset 8. Jean 5, verset 8. Jean 5, verset 8. Jean 5, verset 8. Tu vas lire à partir du verset 5, de 5 à 8. Jean 5, je lis au nom du Seigneur, verset 5 à 8. Amen. Parmi eux, il y a un homme malade depuis 38 ans. Jésus voit qu'il est couché. Et il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Il lui demande, « Est-ce que tu veux guérir ?» Le malade lui répond, « Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Et pendant que j'essaie d'y aller, un autre descend avant moi. »
Jésus lui dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, lève-toi et marche. Je voudrais que tu te lèves ce soir et que tu marches au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Est-ce que tu peux me dire un amen puissant? Amen. Je voudrais que tu te lèves ce soir et que tu marches au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais nous entretenir ce soir sur ce thème « Lève-toi et marche ». Et nous avons lu deux textes bibliques qui parlent pratiquement de la même chose. Pierre et Jean étaient en train d'aller au temple et il y avait quelqu'un qui était assis à l'entrée du temple. Et cette personne pensait que Pierre et Jean allaient lui donner quelque chose. Alléluia! Généralement, les gens qui sont assis souvent à l'entrée de la mosquée, à l'entrée du temple, à l'entrée du supermarché, ce sont des mendiants ou des malades. Alléluia! Ils sont là parce qu'ils ont besoin, ils attendent quelque chose. Alléluia! Et ce monsieur, celui qui était assis à l'entrée du temple, pensait que Pierre et Jean allaient lui donner quelque chose. Mais ils lui disent que je n'ai rien à te donner. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'or. Mais la seule chose que je peux te donner là où tu te trouves, c'est la puissance de Dieu. La seule chose que je peux te donner là où tu te trouves, c'est l'onction de Dieu. La seule chose que je peux te donner qui surpasse l'argent, qui surpasse les trésors, qui surpasse l'or, c'est la guérison. Alléluia. Alors, il leur dit, lève-toi et marche. Et ce malade se leva et il marcha. Tellement il était rempli de joie, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il a commencé à danser. Et je crois que ce soir, tu vas danser à l'honneur de ce Dieu-là. Parce que je crois que là où il y a des soucis, là où il y a des difficultés, là où il y a des problèmes dans ta vie, Dieu te dit ce soir, lève-toi et marche. Alléluia. Et nous avons lu pratiquement le même verset, un autre, où la Bible dit que Jésus était en train de marcher. Alléluia. Et Jésus vit quelqu'un. Jésus vit un lépreux, un infirme. Et Jésus lui dit, prends ta natte, lève-toi et marche. Bien-aimés, nous pouvons constater que c'est pratiquement la même forme. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un ce soir qu'il y a parfois des moments, bien-aimé, où les difficultés te mettent à terre. Les soucis te mettent à terre. Les inquiétudes te mettent à terre. Tu entres dans un moment de doute, bien-aimé. Tu as le doute dans ton cœur et tu te demandes, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? À cause des soucis, bien-aimé, tu te retrouves parfois à terre. À cause des difficultés de la vie, tu te retrouves parfois à terre. Que tu perds même le nord. Alléluia. Tu perds même l'envie de prier. Tu perds l'envie de prier. Tu n'as plus envie de prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que tu es face à des soucis. Tu n'as plus envie de prier, bien-aimé. Parce que les difficultés ont assailli ta pensée et ont assailli ton cœur. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, lève-toi et marche. Parce que ces difficultés-là ne doivent pas te mettre à terre. Ces difficultés-là ne doivent pas te mettre à terre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi connaît où toucher. Il connaît ce qu'il doit faire. Il connaît comment il doit nous manipuler. Il peut nous manipuler pour nous mettre à terre. Alléluia. Les soucis de ce monde te mettent tellement dans les difficultés que tu deviens comme un infirme. Alléluia. L'infirme était devant le temple. L'infirme était face au temple. La seule chose qu'il attendait, c'était l'aumône. La seule chose qu'il attendait, alléluia, le premier que Jean et Jacques ont raconté, attendait le monde. Il ne pensait même pas qu'un jour dans sa vie, il aurait pu être guéri. Il ne pensait même pas qu'un jour dans sa vie, quelque chose de bon lui serait arrivé. Alléluia. Il était devant le temple, il attendait qu'on lui donne quelque chose à manger. Il était là en train de faire le monde. Il était là en train de mendier. Il était là en train d'attendre que quelqu'un passe qui lui dit, tiens 1 euro, tiens 2 euros, prends ces gâteaux, prends ce pain, prends ceci, prends cela. Alléluia. Amen. Mais lui, il était infirme. Non seulement il était infirme physiquement, mais il était infirme aussi moralement. Alléluia. Parce que je vais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui ne marche pas envie celui qui marche. Celui qui ne marche pas envie véritablement celui qui marche. Il se dit, si j'avais des pieds pour marcher, j'aurais fait ci. Si j'avais des mains pour faire ceci, pour faire, j'aurais fait cela. Alléluia. Mais toi qui as les pieds, toi qui marches, bien-aimé,
Tu es incapable de voir que Dieu t'a fait grâce en te donnant des pieds. Tu es incapable de voir que Dieu t'a fait grâce en te donnant des mains. Mais celui qui n'a ni main ni pied en vit la situation dans laquelle tu te trouves. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Celui qui n'a ni pied ni main en vit la situation dans laquelle tu te trouves, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est dit, oh, j'aimerais être comme l'évangéliste Lionel. Si j'avais les pieds de l'évangéliste Lionel, je suis sûr que je serais un grand homme. Je suis sûr que j'aurais un travail. Si j'avais les mains, je suis convaincu que j'aurais fait ci de mes 10 doigts. J'aurais fait ci de mes 10 doigts. J'aurais fait cela. Alléluia. Mais toi, tu as cette grâce que Dieu t'a donnée. Tu as des pieds et tu as des mains. Mais que fais-tu de cela? Que fais-tu de ces pieds? Et que fais-tu de ses mains? Alléluia. Pierre et Jean lui disent, je n'ai ni or, ni argent pour te donner. Mais la plus belle chose que je puisse te donner, c'est la santé. Lève-toi et marche. C'est ce qu'ils lui disent. Je suis venu te dire ce soir, les soucis de ce monde ne doivent pas t'affecter. Les problèmes de ce monde ne doivent pas te décourager. Tu as peut-être été trahi. Tu as peut-être été blessé. Tu as peut-être été rejeté. Tu as peut-être été manipulé. Tu as peut-être, je ne sais pas moi, peut-être, subi des douleurs et des douleurs, des déceptions et des déceptions, des trahisons et des trahisons. Mais que ces soucis ne t'arrêtent pas, bien-aimé. Que ces soucis ne te rendent pas infime. Que ces soucis ne t'empêchent pas de voir la puissance de Dieu. Que ces difficultés par lesquelles tu passes, bien-aimé, et trépasses, ne t'empêchent pas de voir que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, bien-aimés, qui t'envient. Pendant que toi, tu poses tes regards sur les autres. Pendant que toi, tu es en train d'envier les autres. Pendant que tu es en train de dire, oh, si Dieu m'avait donné ceci, si Dieu m'avait donné cela, je serais ceci. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de te voir. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de te regarder. Il y a quelqu'un d'autre qui désire même avoir la place que toi tu as. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je ne sais pas si ça entre dans le cerveau d'une personne. Amen. Je ne sais pas si ça rentre dans le cerveau d'une personne ce soir. Amen. Jean 5. Verset 6, je lis. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Je vais te poser la question ce soir, veux-tu être guéri? Est-ce que tu voudrais être guéri, bien-aimé? Veux-tu être guéri, bien-aimé, dans le Seigneur? Veux-tu que l'Esprit de Dieu te visite ce soir et guérisse tout ce qu'il y a de malade en toi? Amen. Oh. Dis à quelqu'un, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et Jésus lui dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Alléluia. J'ai envie de te dire ce soir, bien-aimé, lève-toi et prends tes soucis et marche. Amen. Lève-toi et prends tes difficultés et avance. Amen. Lève-toi et prends tes inquiétudes et avance. Amen. Lève-toi, bien-aimé. Aucune chose ne doit te retenir par terre. Rien ni personne ne doit te retenir par terre. Rien ni personne ne doit t'empêcher d'avancer. Rien ni personne, bien-aimé, ne doit t'empêcher de voir la gloire de Dieu en toi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous traversons tous des difficultés à un moment de la vie. Nous avons tous des besoins, bien-aimés. Nous passons par des moments de doute, comme je le disais tantôt. Nous passons par des moments de trahison, de déception, bien-aimés. Et parfois, quand nous sommes trahis, nous sommes à terre spirituellement. Nous sommes à terre moralement. Nous sommes à terre physiquement. Et comme je le disais tantôt, j'ai posté une vidéo tout à l'heure où je disais, quand l'ennemi attaque notre pensée, notre cœur est affecté et le corps suit. La force de l'homme bien-aimé se trouve dans sa pensée. À partir du moment où ton mindset,
Ta pensée est attaquée, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu es déstabilisé totalement et entièrement. À partir où ton cerveau est attaqué, tu es déstabilisé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi savait que pour déstabiliser l'homme, il fallait qu'il déstabilise Ève. Pour déstabiliser l'homme, il fallait qu'il passe par la femme. Alléluia. Il fallait qu'il apporte le doute en elle. Alléluia. Il fallait qu'il remplisse son cœur de peur et de doute. Et il va jusqu'à lui dire, Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir du moment où l'ennemi vient te faire douter de qui tu es, l'ennemi vient te faire douter de ton véritable appel, l'ennemi vient te faire douter de ton identité, bien-aimé, il a déjà le dessus sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il a déjà le dessus sur toi. À partir du moment où tu ouvres la porte, tu lui laisses la faille de rentrer en toi, tu lui laisses la porte d'infiltrer l'intérieur de ton cœur, bien-aimé. Il a déjà la main mise sur toi. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont tellement faibles de caractère. Il y a des gens parfois qui ont envie, qui ont besoin qu'on prenne des décisions à leur place. Il y a des gens qui attendent qu'on prenne des décisions à leur place. Il y a des gens qui attendent qu'on leur dise, voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu dois faire. Voici la décision que tu dois prendre. Alléluia. Et parfois même les décisions que les gens te donnent ne sont pas souvent les bonnes. J'ai envie de dire, les idées que les gens te donnent ne sont pas souvent les bonnes. Alléluia. Il y a des moments, bien-aimés dans le Seigneur, que tu as pensé à quelque chose. Amen. Amen. Tu as pensé à quelque chose et tu es convaincu que ta pensée est juste. Ta pensée est bonne. Mais Satan va infiltrer ton cœur. Satan va rentrer dans ton cœur et te faire comprendre que ce dont tu as pensé, elle est fausse. C'est mauvais. Il va te donner d'autres pensées et tu vas commencer à douter de toi. Tu vas être déstabilisé face à la décision que tu voulais prendre, face à l'acte que tu voulais poser. Alléluia. Amen. Satan viendra te déstabiliser. Satan viendra souffler des pensées négatives en toi. Et à partir du moment où souffle des pensées négatives en toi, bien-aimé, le doute est entré. Et quand le doute entre, ça fait partie des maladies qui te mettent à terre. Ça fait partie des maladies qui te rendent infirme. Ça fait partie des maladies bien-aimées qui feront en sorte que tu ne verras plus rien devant toi si ce n'est le flou. Alléluia. Amen. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, lève-toi et marche. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce par quoi tu traverses. Je ne sais pas quel est le doute que Satan a mis en toi. Je ne sais pas les difficultés que Satan a mis en toi. Je ne connais pas tes inquiétudes. Je ne connais pas tes infirmités. Je ne connais pas tes douleurs. Je ne connais pas, bien-aimé, ce qu'il y a dans ton cœur. Mais je vais te dire ce soir que ces choses ne doivent pas t'empêcher d'avancer. Ces choses ne doivent pas te rendre firme. Ces choses ne doivent pas te ralentir. Ces choses ne doivent pas te mettre en arrière, bien-aimé. Parfois, nous avons besoin des choses. Mais à force de prier, nous nous rendons compte que nous avons comme l'impression que Dieu ne répond pas à nos prières. Nous avons comme l'impression que le ciel est fermé sur nos têtes. Alléluia. Et cela vient nous déstabiliser. Cela vient nous enlever le moral. Cela nous rend infirmes, bien-aimés. Mais je vais te dire une chose, bien-aimés. Ce que tes yeux voient, bien-aimés, ne doit pas t'empêcher d'avancer. Amen. Oui. Que ces choses ne t'empêchent pas d'enfoncer. Ce que tes yeux voient, ce que tes yeux sont en train de voir, ne doivent pas te rendre infime. Parfois, nous nous mettons dans des bulles, bien-aimés, à cause des soucis. Nous nous mettons dans des bulles, dans des difficultés nous-mêmes, à cause des soucis. Alléluia. Amen. Nous nous mettons dans des difficultés à cause de la trahison, les trahisons des hommes, les infidélités des êtres humains, bien-aimés. Mais je vais dire à quelqu'un que aussi longtemps que tu vivras, tu seras trahi. Aussi longtemps que tu vivras sur cette terre, bien-aimé, tu seras trahi. Tu seras même trahi par la personne dont tu imagines le moins. Alléluia. Ça peut être ton pasteur, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants, ça peut être ton employeur, ça peut être tes employés, bien-aimé, ça peut être ton père, ta mère. Tu seras trahi. Et Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Je vais te poser la question ce soir, voudrais-tu être guéri? Pose la question à ton voisin, veux-tu être guéri? Voisine, voisin, veux-tu être guéri?
Car Dieu te demande ce soir, veux-tu être guéri? Jésus lui a posé la question, voudrais-tu être guéri? Il a dit à Jésus, oui, je veux être guéri. Alléluia. Je suis venu te dire ce soir que lève-toi et marche. Sois guéri, sois franchi, bien-aimé dans le Seigneur. Sois franchi de ce que les gens peuvent dire, de ce que les gens peuvent penser, des attitudes. Sois franchi des soucis qu'ils peuvent avoir devant toi. Amen. Parfois, bien-aimé, nous cherchons le travail. Nous ne trouvons pas le travail. On commence à s'inquiéter. Alléluia. Amen. Je vais vous raconter un petit témoignage. Depuis la semaine dernière, je suis dans une crèche. Et il y a une jeune fille musulmane dans cette crèche. Je l'ai observée. Et je me suis rendu compte que c'est une fille qui a beaucoup de soucis. Qui a énormément de problèmes. Pourtant, elle est toute jeune. Elle a 22 ans. Mais elle a tellement de problèmes dans son cœur. Elle est inquiète sur tout. Tout l'inquiète. Elle panique sur tout. Elle est inquiète sur tout. Et tellement elle est dans l'inquiétude qu'elle fait mal les choses. Tellement elle est dans l'inquiétude que tout acte qu'elle pose est mauvais. Ça fait un an qu'elle est dans cette crèche. Elle est en CDI. Et elle a été virée aujourd'hui. Parce que c'est une succession des choses qu'elle a faites. Satan a tellement infiltré de son cœur que Satan lui a fait croire qu'elle est incapable. Satan lui a fait croire qu'il faudrait qu'elle passe son temps à vivre dans l'inquiétude. Donc elle est comme quelqu'un qui est infirme, bien-aimée dans le Seigneur. Elle est infirme. Et je crois, bien-aimée, que Dieu m'a utilisé ce jour afin de lui dire, lève-toi et marche. Amen. Je suis tellement dans la joie parce que Dieu m'a utilisé et je lui ai dit, lève-toi et marche, bien-aimée dans le Seigneur. Avant-hier, elle a donné un biberon à un enfant. Elle a fait un lait, elle a donné un biberon à un enfant. Et il s'est avéré que ce n'était pas le bon lait. Un bébé de 6 mois, le bébé a pris le lait. Et le bébé a commencé à rejeter. Elle commence à dire, mais il ne boit pas, je ne sais pas pourquoi il ne boit pas. Elle commence à s'énerver, elle panique. En fait, c'est une fille qui panique sur tout. Je vous assure, bien-aimée, elle est comme malade. Elle panique sur tout. Oh, il ne boit pas, je ne sais pas comment je vais faire et tout. Et moi, j'étais en train de donner à manger à notre bébé de 8 mois. Je lui dis, attends, quand je vais finir de donner à manger à cet enfant, je vais m'occuper de lui. Et quand j'ai fini de donner à manger à cet enfant, j'ai pris le bébé de 6 mois et je lui donne le biberon. L'enfant ouvre bien la bouche, elle veut prendre le biberon, mais après, dès qu'elle goûte le lait, elle repousse la langue. Elle repousse avec la langue. Et puis, je dis, il doit avoir un problème. Soit ce n'est pas la bonne tétine, soit c'est le lait. Alors je demande à une autre collègue, est-ce que c'est la bonne tétine? C'est le bon biberon et la bonne tétine? Elle me dit oui. Est-ce que c'est le lait qui doit avoir un problème? Parce que quand je regarde le lait, elle me dit, elle va demander à la collègue qui donnait à manger en premier, puisque c'est elle qui avait fait du lait. Elle lui dit, c'est quel lait que tu as donné à l'enfant? Et toute paniquée, elle commence à paniquer, elle panique, elle commence à trembler. Je ne sais pas, oh, je crois que je me suis trompée. Oh, oh. Elle commence à paniquer, à pleurer. Mais je la vois pleurer. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors, je prends le lait et je vais le jeter. Je jette et je fais un autre lait. Et là où il y a les laits, en fait, les parents qui ramènent du lait, on écrit les prénoms des enfants dessus. Et je vois le prénom de l'enfant, je fais le lait. Quand je viens, je donne le biberon à l'enfant. Paf, l'enfant a pris le biberon. En 5 minutes, l'enfant avait déjà fini. C'est 180 de lait. Et ma collègue qui était là me dit, mais c'est grave ce qu'elle a fait. Mais je vais le dire à la directrice. C'est une faute grave ça. Si l'enfant avait des allergies. Et puis je lui dis, oui, effectivement, c'est une faute grave parce qu'il faut veiller, il faut faire attention. Parce que si l'enfant avait une allergie au lait, et c'est un lait spécial et tout, c'est que nous sommes dans des problèmes. Et elle va vers elle et lui dit, je dirai à la directrice ce qui s'est passé. Je vous assure, bien-aimée, elle a commencé à paniquer. Elle était dans tous ses états. Elle est devenue toute rouge. Toute rouge. Et aujourd'hui, ce matin, j'arrive au boulot. Elle a été convoquée dans le bureau de la directrice qui lui dit, c'est en un an, vous avez fait trop de fautes. Et là, je suis obligée d'arrêter votre contrat. Vous êtes virée. Elle a commencé à pleurer. Elle était dans tous ses états. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, elle est malade. Elle a besoin d'une parole de réconfort. Elle a besoin de se lever. Elle est assise à terre.
Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas imaginer que quand on interrompt en CDI comme ça, le coup que ça fait dans le cœur de quelqu'un. Tu te retrouves directement à terre. Tu te retrouves sur le sol. Alléluia. Je prie dans le précieux nom de Jésus-Christ que cela ne t'arrive jamais. Je prie, bien-aimé, dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on n'interrompe pas un CDI. Le CDI que tu as, qu'on ne l'interrompe pas au nom de Jésus. Alléluia. Quelle que soit la faute que tu as faite, que tu, ou tu feras, bien-aimé, je prie que Dieu touche le cœur de tes employeurs afin que tu aies compassion à leurs yeux et que l'Esprit de Dieu te préserve. Amen. Bien-aimé, elle était dans tous ses états. Elle était déstabilisée, elle a pris 10 minutes de pause. 10 minutes de pause sont devenues 30 minutes. Et puis j'ai dit à ma collègue qu'il faut aller voir, je crois qu'elle va mal. Ma collègue va la voir, elle était au téléphone. Elle allait tellement mal, elle était en train de pleurer. Et l'Esprit de Dieu me dit, je revois le thème de ce jour. Et le Seigneur me dit, elle a besoin d'une parole. Quand je finis le repas, je vais la voir, je lui dis, lève-toi et marche. Elle me dit, pardon. Je lui dis, lève-toi et marche. Elle me dit, mais je suis debout. Elle me dit, mais je suis debout. Je suis en train de marcher. J'ai dit, oui, tu es debout, tu es en train de marcher. C'est ce que tu crois. Mais tu n'es pas en train de marcher. Mais tu n'es pas debout. Tu es debout là comme un zombie. Ce n'est qu'une carapace qu'on voit. Mais spirituellement, moralement, tu es à terre. Spirituellement, moralement, tu es malade. Alléluia. Je prie. Je décrète et je déclare, si spirituellement, moralement, tu es malade, que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Amen. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Je ne sais pas ce qui te rend malade spirituellement. Je ne sais pas ce qui te rend malade moralement. Je ne sais pas ce qui te rend malade physiquement. Mais je viens annuler toute œuvre de Satan dans ta vie. Je viens annuler tout ce qui t'enlève la paix. Je viens arracher les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Et je te dis ce soir, lève-toi et marche. Amen. Et je lui dis, mais tu es malade. Elle me dit, mais Edith, je ne suis pas malade. J'ai dit, mais si tu es malade, assieds-toi et s'assois. J'ai dit, viens voir le docteur. Elle me dit, le docteur, t'es docteur? J'ai dit, oui, je suis docteur de la parole. Amen. Elle me dit, mais comment ça? J'ai dit, si, je suis docteur de la parole. Je suis docteur de la parole. Elle me dit, docteur de la parole, je dis oui. Elle me demande comment ça. C'est là où je lui dis, je suis pasteur dans mon église. Ah bon? Oui, je suis pasteur. Ça veut dire que je suis docteur de la parole. Et Dieu me montre ton cœur. Et Dieu me dit que ton cœur est malade. Et il m'envoie guérir ton cœur. Il m'envoie guérir ton cœur. Tu sais, ce qui vient de t'arriver, ça t'a peut-être affecté moralement. Physiquement. Elle commence à pleurer. Oh, je ne sais pas comment je vais faire pour payer mes factures. Je ne sais pas comment je vais faire pour manger. Elle a commencé à pleurer à chaudes larmes. Elle vient, elle tombe sur moi. Boum! En fait, j'ai été surprise. Elle est tombée sur moi. Elle me prend dans ses bras. Elle me serre dans ses bras. Elle me serre. Elle était tellement mal. Et puis, je lui dis, pleure. Quand tu auras fini de pleurer, tu vas écouter ce que je suis en train de te dire. Tu vas m'écouter. Tu dois m'écouter. Parce que tu dois te lever de cette maladie que tu viens d'avoir au nom de Jésus. Amen. Elle est musulmane, bien-aimée. Elle me regarde. Quand elle a fini de pleurer, elle était toute rouge. Je prends le mouchoir, je lui donne. Je dis, écoute-moi maintenant. Tu sais, ce que tu as fait, c'est grave. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Mais il paraît que depuis un an que tu es dans cette boîte, tu passes ton temps à faire des erreurs, succession d'erreurs sur erreurs. Mais je vais te dire, peut-être que c'est pour toi que Dieu m'a envoyé ici. Mais je vais te dire une chose. C'est qu'il faut que tu prennes conscience. Tu es gentil. Tu es agréable à vivre. Mais cela ne suffit pas. Tu es folle. Tu es folle dans ta tête. On dirait que tu es malade. Que tu as besoin d'un médecin pour te recadrer. Mais ce genre de médicament-là, c'est mon Jésus qui est capable de te le donner. Parce que tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu fumes, tu bois, à longueur de journée, tu trembles, tu fais même un truc, tu es dans la panique, tu es dans la panique, à tout bout de champ, tu es dans la panique, tu paniques, à tout bout de champ. Ton cœur est malade. Ne prends pas le fait qu'on t'a viré pour mal, mais prends cela comme une leçon. Prends cela comme quelque chose parce que tu avais besoin d'un électrochoc pour que tu te lèves. Et je viens encore appuyer sur ce que tu as reçu. Je viens te donner ce choc-là qui va te faire te lever de là où tu es assise.
Parce que là, tu assises spirituellement. Tu assises moralement. Alors, lève-toi et avance. Tu es jeune, tu n'as que 22 ans. Tu es capable d'aller de l'avant. Mais si tu continues à avoir ce genre d'erreur, tu passeras de travail en travail. Personne ne pourra te garder. Et je pense que ce que tu as eu aujourd'hui te donnera des leçons. Mais tu ne dois pas rester à terre. Tu ne dois pas rester malade. Tu ne dois pas rester dans cet état d'esprit. Tu ne dois pas simplement passer ton temps à pleurer et te demander comment je vais faire pour payer mes factures. Mais tu dois te dire une chose, qu'une faute grave n'est pas arrivée. Parce que si la faute grave était arrivée, tu aurais perdu ton diplôme et tu aurais eu toute ta vie pour pleurer. Les enfants que nous gardons ici, ce sont les vies des gens. Si tu mets un enfant dans un problème, non seulement on t'attaque toi, on attaque tes collègues, on attaque la directrice et on attaque la crèche. Je comprends la décision de la direction. Peut-être tu ne vois pas l'ampleur de ce que tu as fait. Elle dit, si, je vois, je reconnais. Je dis, j'espère que tu reconnais vraiment. Et lève-toi et avance. Amen. Elle vient, elle tombe dans mes bras. Elle m'appelle, oh maman, Edith. Oh. Maman, elle dit, mais je ne suis pas ta maman, moi. Je ne suis pas ta maman. Elle dit, oh maman, elle dit, ce que tu m'as dit, ça me fait du bien. Tu ne peux pas savoir comment tu m'as fait du bien. Tu m'as réconfortée. Oh, je suis dans la joie. Tu m'as tellement fait du bien. J'ai dit, gloire à Dieu si je t'ai fait du bien. C'est le plus important. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu as tellement fait confiance à quelqu'un. Cette personne t'a trahi. Tu as ramené quelqu'un dans ton intimité. Tu as confié des secrets à cette personne. Tu as donné des secrets les plus profonds de ton âme. Et cette personne t'a trahi. Bien-aimé, la trahison est la pire des choses. La trahison est quelque chose qui peut détruire la vie de quelqu'un, bien-aimé. La trahison est quelque chose qui peut déstabiliser toute une vie, bien-aimé. La trahison, bien-aimé, c'est plus que mettre le couteau dans le cœur à quelqu'un. Je préfère que quelqu'un prenne un couteau et me le poignarde dans le cœur que de me trahir. Alléluia. La trahison, bien-aimé, quand tu as été trahi, oh, tu seras malade pendant des jours. Tu n'auras plus de sommeil. Tu n'auras plus de paix. Tu n'auras plus la joie. Et tu vas te demander comment cette personne a pu me trahir. Comment cette personne a pu me faire autant de douleur, autant de mal, bien-aimé. Tu te retrouves malade comme cet infirme à l'entrée, bien-aimé, de la synagogue. Tu vas te retrouver malade comme cet infirme, bien-aimé, qui attendait qu'on le jette dans l'eau. Alléluia. Peut-être que tu attendais que Jésus vienne te dire, je n'ai pas besoin de te jeter dans l'eau, mais je vais te dire que lève-toi et avance même si on t'a trahi. Même si on t'a trahi, bien-aimé, quelle que soit la chose qu'on a pu te faire, je vais te dire ce jour, lève-toi et avance. Ne reste pas sur ce que Satan a manigancé. Ne reste pas sur ce que Satan t'a fait. Ne reste pas sur ce que l'ennemi a fait. Bien-aimé, j'ai envie de te dire que c'est même des vitamines que Satan vient de te donner pour te propulser de l'avant. Parce que si tu n'étais pas passé par cette trahison, je ne crois pas que tu aurais eu une leçon. Chaque épreuve nous enseigne. Chaque trahison que nous vivons nous enseigne. Chaque situation que nous vivons dans la vie nous enseigne. Du moins, elles doivent nous enseigner. Si tu es passé par des difficultés, par des moments difficiles, bien-aimé, et que tu n'as pas reçu la leçon de cette situation, Dieu te ramènera encore à vivre la même chose. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons des coups chaque jour. Les gens vont nous voir sur les réseaux sociaux. Les gens vont nous critiquer. Oh, pasteur escroc, tu n'as pas le droit d'enseigner. Une femme n'enseigne pas. Regarde comment tu es vêtu. Regarde. Bien-aimé, mais ils ne savent pas ce que nous subissons. Ils ne savent pas les difficultés que nous pouvons avoir. Ils ne connaissent pas les soucis que nous avons dans l'œuvre. Alléluia. Mais cela ne doit pas t'empêcher de continuer à faire l'œuvre. Cela ne doit pas te ralentir. Cela ne doit pas te briser. Cela ne doit pas te rendre infirme, bien-aimé. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu à cause des soucis qu'ils ont eus avec les brebis, les trahisons, les difficultés qu'ils ont eues avec les brebis, bien-aimé, ils ont fermé l'église. À cause des soucis qu'ils ont eus avec les brebis, bien-aimé, aujourd'hui, ils ne sont plus ouverts. Je ne peux pas condamner une personne qui met une barrière entre la brebis et lui, bien-aimé. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu arrives devant un serviteur de Dieu, celui que tu vois,
C'est un serviteur qui a déjà reçu des coups. Il a reçu des coups. Il a reçu des coups. Parfois, on s'entoure des mauvaises personnes. Parfois, nous prenons des personnes, nous mettons à côté de nous, sans même que Dieu nous ait dit, sans avoir véritablement consulté l'Éternel. Est-ce qu'il ou elle doit être à côté de moi? Mais nous les mettons. Alléluia. Et c'est quand nous sommes giflés que nous nous rendons compte que c'était une mauvaise personne. On n'aurait pas dû faire confiance à cette personne-là. Alléluia. Mais cette situation, bien-aimée dans le Seigneur, ne doit pas t'empêcher d'avancer. Elle ne doit pas t'empêcher d'avancer. C'est comme une femme qui va dire, « Oh, je ne fais plus confiance aux hommes. Oh, j'ai connu tellement d'hommes dans ma vie. Ils m'ont trahi. Les hommes sont mauvais. Les hommes sont méchants. » Alléluia. Mais elle a généralisé les hommes. Si un homme t'a trahi, si un homme a abusé de toi, pourquoi généraliser tout le monde? Alléluia. Amen. Si, en tant que pasteur, les fidèles, les gens que tu as mis à côté de toi, t'ont trahi, pourquoi fermer la porte aux autres et ne pas laisser la grâce à celui-là même qui viendra? Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir, lève-toi et marche. Malgré les coups que Satan te donne pour te rendre infime, bien-aimé, ne reste pas là où tu es. Ne reste pas couché devant la porte. Ne reste pas assis à terre. Que ces coups-là, bien-aimé dans le Seigneur, ne te déstabilisent pas. Que ces coups-là ne t'empêchent pas de courir. Que ces coups-là ne t'empêchent pas d'aller de l'avant. Que ces coups-là n'empêchent pas de poursuivre le chemin. Alléluia. Que ces coups-là, bien-aimé, ne t'aveugle pas. Si Dieu a gardé chacun d'entre nous jusqu'à ce jour en vie, c'est qu'il a des plans merveilleux et glorieux pour nous. Si Dieu t'a préservé, bien-aimé, jusqu'à ce jour, c'est qu'il a des plans merveilleux et glorieux pour toi. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons deux histoires bien différentes, mais presque pratiquement le même contexte. Alléluia. Amen. Oui. Il y a l'un qui attendait le monde et l'autre qui attendait quelqu'un pour le porter, pour le mettre dans l'eau, afin qu'il reçoive la guérison. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir que celui même que tu n'attends pas dans ta vie, celui que tu n'imagines même pas dans ta vie, c'est celui-là qui viendra te faire sortir de là où tu te trouves. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Celui que tu n'imagines pas, c'est celui-là qui viendra te faire sortir. Amen. Alléluia. Amen. Celui que tu n'imagines pas, celui que tu as méprisé, celui que tu as négligé, celui que tu as maudit, celui que tu as haï, c'est lui que Dieu va utiliser pour te faire du bien, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Il était là. Il avait pour habitude, bien-aimé, de recevoir le monde. Il avait pour habitude qu'on lui donne de l'argent. Il voit deux hommes habillés qui arrivent, qui passent devant lui. Je peux imaginer la scène. Ils étaient là en train de dire, oh, il était là en train de dire, j'ai besoin de manger, donne-moi 1 euro, donne-moi 50 centimes, donne-moi à manger. Et ces deux serviteurs de Dieu se retournent vers lui et lui disent, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons dépasse de l'or, ce que nous avons dépasse de l'argent. Ce que nous avons dépasse le matériel que toi tu attends. Alléluia. Je vais te dire une chose ce soir, bien-aimé. Ce que je viens te donner ce soir, bien-aimé, ça dépasse le manger que je peux te donner. Mais je viens t'apporter Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celui-là même qui a la capacité de te relever de là où tu es. Amen. Celui-là qui a la capacité de te lever, de te dire lève-toi face à cette situation. Je m'en charge. Alléluia. Amen. Quand Jésus dit lève-toi, prends ton lit et marche, bien-aimé. Jésus est en train de te dire que lève-toi, prends ces problèmes-là qui t'ont mis à terre et marche. Jésus est en train de te dire que lève-toi, prends cette situation-là qui t'a déstabilisé, qui t'a démoralisé et marche. Amen. Satan sait une chose. C'est que peut-être physiquement, il ne t'atteindra pas. Il viendra peut-être physiquement pour t'atteindre, mais il ne t'atteindra pas.
Et le seul moyen pour lui de t'atteindre, c'est d'infiltrer ta pensée. Il va entrer dans ta pensée face aux problèmes. Il va te mettre une tonne de problèmes. Tu vas commencer à douter. Tu vas commencer à te poser la question, mais comment je vais faire? Alléluia. Comme le pasteur me dit souvent, quand je vois la fin du mois arriver comme ça, je vois les factures, je dis, hey Seigneur, on va encore s'en sortir? Seigneur, je suis dans l'inquiétude. Et le pasteur me dit, comme Satan sait là, que chaque fin du mois, tu t'inquiètes là. Chaque fin du mois, il te rend infirme. Chaque fin du mois, il te rend malade. Chaque fin du mois, il va te mettre face à des situations qui vont t'inquiéter encore plus. Et tu seras à terre. Alléluia. Bien-aimé, ne laisse aucune situation de ta vie t'enlever la paix. Ne laisse aucune situation de ta vie te rendre malade. Ne laisse aucune situation de ta vie te rendre infirme. Ne laisse aucune situation de ta vie t'enlever la joie, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Parce qu'à partir du moment où ta joie est affectée, tu deviens comme cet infirme-là qui était couché à l'entrée du temple. Tu deviens comme un mendiant. Tu deviens, bien-aimé, comme un handicapé. Alléluia. Amen. Rien ne doit t'enlever la joie ni la paix. Ne donne pas accès à Satan. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les soucis que tu verras devant ton visage, devant ta face, rien, ni personne ne doit le faire. Rien ni personne. Alléluia. Amen. Si ton cœur est affecté, bien-aimé, tout en toi est affecté. Tout en toi est affecté. Si ton cerveau est affecté, bien-aimé, tout en toi est affecté. Alléluia. Il y a parfois des moments où, quand nous traversons des moments difficiles, bien-aimé, nous avons même du mal à aller devant Dieu. Nous avons du mal à aller consulter Dieu. Et la Bible dit que quand tout va mal, réfléchis. Et quand tout va bien, réjouis-toi. Les soucis t'affectent tellement, ça te rend à terre au point où tu n'imagines même pas que le miracle peut venir de nulle part. Tu n'imagines même pas que Dieu peut envoyer quelqu'un venir te sauver. Alléluia. Celui qui était à l'entrée du temple depuis des années, Dieu a envoyé Jacques et Jean venir le sauver. Celui qui attendait qu'on le jette dans la piscine, il attendait le secours. Mais le secours est venu du lieu où s'y attendait le moins. Le secours est venu de quelqu'un qui ne pouvait même pas imaginer. Lui, il pensait que son miracle devait venir de la piscine. Mais quelqu'un arrive devant lui et lui dit, lève-toi et marche. Il dit à Jésus, mais j'attends qu'on me jette dans la piscine. Au moment où je vais me lever pour aller dans la piscine, il y a déjà quelqu'un qui m'a dévancé. Mais Jésus-Christ, qui est plus que la piscine, lui dit, mais même si quelqu'un t'a dévancé, moi j'ai la vie en moi. J'ai les paroles qu'il faut. Lève-toi et marche. Prends même ton lit. Prends tes soucis. Prends tes problèmes. Prends tout cela. Et avance. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas commencé à se demander, mais attends, c'est qui nous parle? Ils n'ont pas commencé à se poser la question, mais est-ce que ça va réellement marcher? Est-ce que ça va réellement se faire? Est-ce que je suis sûr que le miracle va s'opérer? Mais la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont obéi. Ils se sont levés et ils ont marché. Alléluia. Je veux que tu te lèves ce soir et que tu marches. Si c'est ton mari qui t'a quitté, laisse. Lève-toi et marche. Si c'est ton travail que tu as perdu, lève-toi et marche. Alléluia. Si c'est ta femme qui t'a quitté, lève-toi et marche. Si ce sont tes enfants qui t'ont tourné le dos, lève-toi et marche. Si tu ne sais pas comment tu vas payer tes factures, je vais te garantir ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, aussi vrai que Jésus est Jésus, bien-aimé, tu payeras tes factures. Mais lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Parce que tu vas rester dans cette situation pendant longtemps. Tu ne vas même pas voir que Dieu te donne un souffle de vie tous les jours. Ces personnes qui étaient assises, qui attendaient le miracle, qui faisaient le monde, alléluia, ne se sont pas dit que, mais chaque jour, Dieu me donne le souffle de vie.
Chaque jour, Dieu me ressuscite. Chaque jour, je suis en vie. Mais si Dieu me garde en vie, ça veut dire qu'il a des plans glorieux et merveilleux pour moi. Si Dieu me garde en vie, ça veut dire qu'il a quelque chose de magnifique et de merveilleux pour moi. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir que si tu as encore en vie, sache que Dieu a des plans glorieux pour toi. Si tu as encore en vie, sache que Dieu a des plans merveilleux pour toi. Peut-être que tu te disais que c'est cette situation que tu vis qui va t'emmener à la mort. Il y a des gens qui vivent des situations compliquées qui disent « Oh Seigneur, prends-moi. Seigneur, tue-moi. Je ne mérite même pas de vivre. Ôte-moi la vie. Seigneur, j'en ai marre. Je suis fatigué. » Mais si Dieu voulait t'ôter la vie, bien-aimé, il n'allait pas te mettre face à des difficultés. Peut-être que le matin, tu ne te serais pas réveillé. Ou tu aurais fait un accident et tu serais mort. Mais si Dieu te garde en vie, jusqu'à ce jour, malgré les difficultés que tu peux avoir tout autour de toi, c'est qu'il a quelque chose de merveilleux et de glorieux pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est qu'il a quelque chose de merveilleux et de glorieux pour toi. Tu passes peut-être par des moments difficiles, par le doute. Peut-être que tout autour de toi, tu as comme l'impression que les gens te calomnient, les gens te critiquent, les gens te négligent, les gens te jurient. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais je voudrais te dire que même si ce qui se passe autour de toi est vrai, lève-toi et marche. Amen. Ne t'attarde pas sur ce genre de choses. Vous savez, Satan va peut-être parfois passer par des petites choses, par des petits soucis, par des petites difficultés, bien-aimé dans le Seigneur, pour venir enlever cette paix que tu pouvais avoir dans ton cœur. Il va te faire douter de tout le monde autour de toi. Est-ce qu'elle est une bonne personne? Est-ce que l'ancienne Sandra est une bonne personne? Est-ce que David est une bonne personne? Est-ce que Évangéliste Lionel est une bonne personne? Est-ce que Yann est une bonne personne? Est-ce que Évangéliste Victoire est une bonne personne? Est-ce que Diaconesse Charlotte est une bonne personne? Est-ce que Pasteur Michel est une bonne personne? Est-ce que le Pasteur Sylvie est une bonne personne? Est-ce que Maman Autant est une bonne personne? Il va commencer à te faire douter de ces personnes-là. Alléluia. Je suis convaincue même que ces personnes même vont poser même des actes vis-à-vis de toi, qui vont encore te reconforter. Est-ce qu'on peut baisser? Qui vont encore te reconforter en te disant que j'avais dit que ce ne sont pas des bonnes personnes. J'avais dit qu'on ne pouvait pas faire confiance à ces personnes-là. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Et tu vas tomber malade pour rien. Tu vas devenir infirme pour rien. Parce que tellement Satan est entré dans ta pensée. Et le petit doute que tu avais va grandir. Ce petit doute va commencer à grandir. Grandir. Au point où tu vas être malade. Et tu ne verras plus la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ces personnes s'attardaient simplement sur leur maladie. Ils ne voyaient que leur maladie. Ils ne voyaient que l'état dans lequel ils étaient. Ils ne voyaient que l'infirmité qu'ils avaient. Mais ils ne voyaient pas les bontés de l'Éternel qui se renouvelaient chaque matin dans leur vie. Ils ne voyaient pas la grâce de Dieu dans leur vie. Alléluia. Ils ne voyaient pas la bénédiction de l'Éternel chaque jour dans leur vie. Mais leur pensée était focalisée simplement sur leur infirmité. Celui qui a des problèmes bien-aimés est focalisé simplement sur ses problèmes, sur cette infirmité-là. Ta pensée est simplement sur cette infirmité que tu vis. Tu ne vois pas les bontés que Dieu fait dans ta vie. Tu ne vois pas la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Tu es simplement focalisé sur les épreuves que tu as. Tu es simplement focalisé sur les soucis que tu as. Tu es simplement focalisé sur les difficultés que tu as. Tu es focalisé sur cette infirmité-là. Et tu es couché dessus. Bien-aimé, à force d'être focalisé sur notre infirmité, ça devient, bien-aimé, comme un bébé qu'on dorlote. Comme un lit sur lequel on est couché. Alléluia. Ces infirmes-là savaient une chose, c'est qu'ils se lèvent le matin, ils vont devant le temple, ou ils vont devant la piscine. Alléluia. Amen. C'est ce qu'ils savaient. C'est ce qu'ils attendaient. C'est la seule chose qu'ils savaient faire. Quand tu vas te lever le matin, tu vas dire, encore un nouveau jour aujourd'hui, Seigneur. Encore ce problème. Ça va même finir quand? Encore ces difficultés.
ça va me finir quand? Je vais encore me lever aujourd'hui là. Je vais encore aller à l'église. Je vais encore voir le pasteur. Ce pasteur-là qui m'a trahi. Cette sœur-là qui m'a trahi. Ce frère-là qui m'a critiqué. Encore aujourd'hui. Je vais encore aller au travail. Je vais encore voir ma cadre. Je vais encore voir mon patron. Je vais encore voir mon directeur. Je vais encore voir ma collègue. Bien-aimé, tu es simplement focalisé sur cela. Ça devient pour toi comme un fardeau. Ça devient pour toi comme une infirmité. Mais tu ne peux pas te focaliser en te disant, Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as donnée aujourd'hui. Merci pour le souffle de vie que tu m'as donné aujourd'hui. Père, quelle que soit la chose qui va m'arriver aujourd'hui, je me focalise sur toi. Et Satan, tu n'auras pas le pouvoir, tu n'auras pas la puissance de me rendre encore infirme. Même si tu mets toutes les difficultés que tu peux mettre devant mon chemin, je décrète et je déclare que je ne serai plus jamais infirme. Je décrète et je déclare que je ne vais pas me focaliser sur ce qui arrive. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu peux être une femme. Tu attends peut-être le mariage. Ça fait des années que tu attends le mariage. Au point où tu es tellement dans la tristesse parce que les gens autour de toi se marient. Tu as tes amis qui se marient. Tu as tes collègues qui se marient. Tu as tes soeurs qui se marient. Parfois, on te choisit comme demoiselle d'honneur. Parfois, on te choisit comme témoin. Parfois, on te choisit comme... comment on appelle ça? Les femmes qui accompagnent, là, j'oublie le mot. Dame de compagnie. On te choisit comme dame de compagnie. On te choisit même comme une personne qui va aller choisir les vêtements. Tu es tellement triste dans ton cœur. Tu portes ça comme un fardeau. Mais je vais dire à quelqu'un, que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu peux même être... Parfois, on te choisit comme témoin. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce jour, tu désires ardemment te marier. Tu désires être visité. Mais je vais te dire, bien-aimé, même si le mariage n'est pas encore là, avance. Amen. Le mari, la femme te trouvera en chemin. Avance. Amen. Avant-hier, j'étais en train de méditer sur quelque chose. Et j'étais en train de bénir le Seigneur. Je glorifiais tellement Dieu dans ma vie pour tout ce qu'il a fait pour moi. Depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai eu une enfance très, très compliquée. Une enfance très, très difficile dans ma vie. Une enfance compliquée et difficile, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je ne me suis pas focalisée sur ce que j'ai vécu, sur cette enfance difficile. Alléluia. Amen. Abandonnée par mon père à l'âge de 4 ans, grandie chez les oncles, chez les tantes, où chaque jour on me disait, tu ne feras rien de ta vie. Tu ne pourras rien faire de ta vie. Tu ne seras rien. Tu ne peux pas être quelqu'un. Rien de bon ne sortira de toi. Bien-aimé, j'ai entendu cela toute ma jeunesse. De mes 15 ans jusqu'à mes 25 ans, j'ai passé mon temps à entendre cela. De mes 15 ans à mes 25 ans, j'ai passé mon temps à entendre. Je ne suis rien. Je ne serai rien. Rien de bon ne peut sortir de moi. Rien ceci. Bien-aimé, que des paroles mensongères que Satan a passé le temps à me donner. Satan a passé le temps à me donner des paroles mensongères sur ma vie. Toute ma jeunesse, j'ai vécu dans cette douleur, dans cette peine. À me dire, je ne peux rien, je ne sortirai, rien de bon ne sortira de moi. Et quand j'ai mes 25 ans bien-aimés dans le Seigneur, je commence à me dire, mais attends, Satan m'a tellement soufflé en me disant que rien de bon ne peut sortir de ma vie. Comme mon père a abandonné ma mère, les hommes vont m'abandonner aussi. Comme ma mère a fait des enfants à la maison avant de se marier, je ferai des enfants aussi à la maison. On passait le temps à me dire ça. Mes tantes, mes oncles, que ce soit du côté de ma mère ou du côté de mon père. On passait que le temps à me dire ça. Et j'étais comme quelqu'un infirme. J'étais infirme, bien-aimé. Là où je pensais que j'avais des capacités, je me disais que je ne peux rien faire. Je n'ai aucune capacité. Bien-aimé, je savais que j'étais plus intelligente que certaines filles. Parce que je me souviens qu'à l'époque, mes camarades de classe venaient me voir. Tu as une belle main d'écriture, tu peux écrire ça pour moi. Tu es intelligente, tu peux me donner telle idée. Bien-aimé, je savais cela, que j'étais intelligente parce qu'à l'école, on me le disait. On me valorisait à l'école. Mais dans ma famille, on me disait autre chose. À un moment de ma vie, j'ai commencé à me dire, je ne suis rien. Je ne peux rien. Rien de bon. J'ai traîné avec cette infirmité pendant des années jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc de l'âge de 15 ans à 25 ans, donc 10 années où j'étais infirme, bien-aimée. Même quand les gens pouvaient me dire, avance, tu es quelqu'un de bien. Ne reste pas sur ce qu'on t'a dit. Que cela ne t'affecte pas. Que cela ne te rende pas infime. J'avais comme impression que les gens me flattaient. J'avais comme impression que
C'était à quelqu'un d'autre qu'on parlait, que ce n'était pas à moi qu'on parlait. J'avais cette impression-là, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, Jésus m'a dit un jour, « Mon amour te suffit. Je t'aime plus que tu ne peux imaginer. Et je ferai de toi une grande personne. Je ferai de toi une grande personne. Je ferai de toi quelqu'un que les gens vont honorer. Là où on t'a dénigré, là où on t'a humilié, là où on t'a critiqué. Je vais te relever. » Et quand le Seigneur m'a dit ça, je me suis dit, ah, c'est que des fables. C'est que des fables. Alléluia. Je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, tellement je me disais, je ne mérite même pas d'être une femme mariée. Bien-aimés, tout homme que je rencontrais dans ma vie, je passais mon temps à donner. Donner de mon énergie, donner de mon temps, donner de mon argent, parce que j'avais simplement envie que ces personnes m'aiment et m'épousent. Je me disais, je dois à tout prix me marier. Je dois à tout prix me marier. En fait, j'avais envie de prouver quelque chose à quelqu'un. Je voulais prouver quelque chose à quelqu'un. Bien-aimé, il suffisait que quelqu'un me donne un peu d'attention. J'étais déjà là. J'attendais. J'attendais. Comme cette personne qui attendait le monde. J'attendais que quelqu'un me dise tout simplement, je t'aime, je vais être avec toi, tu me plais. Même si c'était des mensonges pour moi, je prenais cela pour de la réalité. Parce que j'étais malade. Parce que j'étais infirme. Parce que les choses qu'on a dites dans ma vie m'ont mise à terre. Et qu'il n'y avait que Jésus pour me dire, lève-toi et marche. Il n'y avait que Jésus pour me dire, avance. Il n'y avait que Jésus pour me dire que ne écoute pas et ne regarde pas ce que les gens t'ont dit. Il n'y avait que Jésus. Alléluia. J'ai posé des actes dans ma vie, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que j'avais besoin d'affection. J'avais besoin d'amour. Bien-aimé. Envers les femmes comme envers les hommes. Envers les femmes comme envers les hommes. Quand je me retrouvais devant des femmes, je me rendais plus petite, plus bas que terre. Bien-aimé. Je savais au fond de moi que j'avais quelque chose que les gens désiraient. Mais tellement j'avais besoin d'être rassurée que je suis une bonne personne. J'avais besoin de... David, ça suffit. Tu te calmes. Tellement j'avais besoin d'amour. Tellement j'avais besoin d'avoir des gens à côté de moi, bien-aimés dans le Seigneur. Que même les personnes qui ne méritaient même pas, excusez mon terme, marchaient avec moi, je marchais avec tout le monde. Il y avait des moments, bien-aimés dans le Seigneur, quand je travaille, je gagne mon salaire à la fin du mois, quelqu'un se lève de nulle part et me dit, oh, j'ai des problèmes, je prends encore tout mon salaire, je donne. Et je reste dans la galère. Parce que toute ma jeunesse, du moins, les un quart de ma jeunesse, on a passé le temps à me dire, tu n'es rien, tu ne seras rien, tu ne peux rien. Alléluia. Amen. Et j'ai passé mon temps à donner de ma personne, à donner de mon énergie, à vouloir être aimée de tout le monde, à vouloir être comprise de tout le monde. J'ai passé mon temps même. Bien aimé, j'étais arrivée à un point où je n'avais même plus de personnalité. Je n'avais plus de personnalité. Quand je vais prendre une décision, je vais vers les gens. Évangélionnel, est-ce que tu penses que la couleur-ci sera bonne? Tu crois que je peux utiliser ça? Est-ce que tu penses que ce que je suis en train de faire, c'est bien? En fait, l'avis des autres comptait plus que moi, mon avis propre. Parce que j'étais malade dans mon cerveau. J'étais malade dans mon cœur. Et mes membres étaient malades. Mon corps était malade. Mon être tout entier était malade. Mais j'avais besoin d'une parole, celle de Christ, pour me dire, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Alors quand Christ m'a dit, lève-toi et marche, bien-aimé. Je me suis levée avec ce que les gens m'ont dit, ce que les gens avaient déclaré dans ma vie, tout ce qu'on avait déclaré par mon passé, mes oncles, mes tantes, même mes frères et sœurs avaient déclaré. Je vous assure, bien-aimé, même dans la maison de ma mère, j'étais combattue par ma propre grande sœur. Toutes les paroles qu'on avait pu dire sur moi, Jésus m'a dit, je t'aime, lève-toi et marche. Et regarde simplement à moi, car tes infirmités, je vais les transformer.
Alléluia. Ne reste pas assis à terre. Et je me suis levée, bien-aimée, dans le Seigneur. J'ai pris tous ces problèmes. J'ai pris tous ces doutes. J'ai pris tous ces fardeaux. J'ai pris toutes ces difficultés. J'ai mis entre les mains du Seigneur. Et j'ai dit à Dieu, je marche. Je m'en vais. Je ne regarde plus en arrière. Les choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées dans ma vie. Je marche. Quel que soit ce que les gens ont pu dire sur moi par le passé, je marche. Quel que soit ce que les gens ont pu penser de moi, je marche. Quel que soit les coups que j'ai reçus, je marche. Quel que soit les doutes que j'ai eus, je marche. Et je ne laisserai plus jamais personne venir me faire douter de qui je suis. Je ne laisserai plus jamais personne venir me dire des choses qui vont me rendre infirme parce que je ne suis pas infirme. Je crois que si je suis en vie jusqu'à ce jour, c'est parce que tu as des plans merveilleux pour moi. Tu as des plans glorieux pour moi. Et je pense que je n'ai pas encore vu la finalité. Amen. Alors cette infirmité ne me tiendra pas en arrière. Je ne serai pas infirme. Je vais me lever sur ce lit de malade et je vais avancer. Je vais arrêter de chercher la vie des autres. Je vais arrêter de regarder à vous, que les gens puissent m'aimer. Et ceux qui veulent m'aimer, m'aimeront pour ce que je suis. Amen. Pas parce que je leur donne quelque chose, mais parce qu'ils ont découvert qui je suis et m'aimeront. Amen. Et j'ai commencé à avancer. Et je viens te dire ce soir, bien-aimé, quel que soit ce que les gens disent sur toi, quelles que soient les choses qui t'ont mis à terre, quelles que soient les difficultés qui t'ont rendu infirme, lève-toi et marche. Ne regarde pas ce qu'on peut dire. Ne regarde pas aux murmures. Ne regarde pas aux critiques. Mais focalise tes regards sur Dieu. Amen. Focalise ton regard sur Jésus-Christ de Nazareth. Même si les gens disent que tu es fou de Jésus, mon fils. Tu es fou de Jésus. Tu es fou du Saint-Esprit. Car les gens verront la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Les gens verront la gloire de Dieu dans ta vie. C'est Dieu qui t'a appelé, ce ne sont pas les hommes. Laisse parler. Amen. Les gens de ta propre famille même te mettront les bâtons dans les roues. Mais je vais te dire, avance. Amen. Avance. 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 Ne laisse personne. Personne. Et j'ai commencé à avancer avec Dieu. J'ai commencé à avancer avec Dieu. Et je suis là aujourd'hui. Je n'ai pas encore fini d'avancer. Mais je vais continuer à avancer. Et au fur et à mesure, bien-aimé, que tu vas avancer, Dieu va enlever tes infirmités. Il va les mettre à la poubelle. Il va enlever un à un. Il va te façonner. Il va te parfaire. Il va te transformer. Et les gens vont voir. Les gens vont voir un nouveau toi. Parce que tu n'es pas resté assis sur les doutes que tu avais, sur les peurs que tu avais, sur les infirmités que tu avais, sur les craintes que tu avais, sur les paroles que Satan a infiltrées dans ton esprit. Tu n'es pas resté assis sur les mensonges des autres. Mais tu as avancé. Tu as avancé. Tu as avancé avec Dieu. Tu as avancé. Et tu continueras à avancer. Et lui se chargera d'enlever tes infirmités. Il se chargera d'enlever tes infirmités. Il se chargera d'enlever tes difficultés. Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Il a dit, oui Seigneur, c'est trop puissant. Veux-tu être guéri? Il a dit, oui Seigneur. Et Jésus l'a regardé, Jésus lui a dit, lève-toi et marche. Jésus a enlevé son infirmité. Jésus a enlevé tout ce qui pouvait l'empêcher d'avancer. Tout ce qui pouvait l'empêcher d'aller de l'avant, Jésus a enlevé. Alléluia. Amen. Et Jésus te dit ce soir, tout ce qui peut t'empêcher de l'avant, il est là et il te dit avance. Amen. Lève-toi et avance. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tout le monde passe par des soucis. Tout le monde passe par des difficultés. Tout le monde passe par des inquiétudes. Alléluia. Il y a même parfois des moments où on se pose même des questions, même ici au sein de l'Église. On se pose des questions. Seigneur, jusqu'à quand cette situation va durer? Jusqu'à quand, Seigneur? Parfois, on voit des choses à l'Église. On s'inquiète. Mais Dieu te dit, focalise des regards sur moi. Focalise des regards sur moi. Moi, je me charge. Je m'occupe du reste. Je m'occupe de ces brebis. Je m'occupe de ces serviteurs. Je m'occupe de ces fidèles. Mais toi, focalise des regards sur moi. Ah, bien-aimé. À un moment, je passais mon temps à pleurer. Je disais, Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Visite-moi. Donne-moi un enfant. Je vous assure, bien-aimé,
ces pleurs, ces inquiétudes, je me lamentais tellement que j'étais infirme. Quand je voyais une femme enceinte passer dans la rue, je m'arrêtais, je la regardais. Et quand je marchais avec le pasteur me laissait regarder la femme enceinte parce qu'il en avait marre de me dire tous les jours que focalise-toi sur Dieu. Marche, sers Dieu et l'enfant te trouvera un chemin. Amen. Marche dans la direction que Dieu te dit et le reste va s'égriffer à toi. Amen. Le pasteur me disait, parce que tu désires tellement un enfant que ça te rend malade. Tu désires tellement un enfant que ça te rend infirme. Ma femme, sers Dieu. Le jour se souviendra de nous. Il nous donnera un enfant. Mais je voudrais que tu serves Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Ne reste pas à te dire, Seigneur, je te sers à moitié parce que j'attends un enfant de toi. Non. Sers-le parce qu'il t'a donné la vie. Sers-le parce qu'il t'a appelé. Sers-le parce qu'il a déposé quelque chose de glorieux en toi dont les gens ont besoin. Ne le sers pas parce que tu attends qu'il te donne quelque chose en retour. Alléluia. Et à partir de ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, je sers Dieu. C'est vrai, si je vous dis que ça ne m'arrive pas de temps en temps de penser, je suis humaine. Mais mes regards sont sur Dieu. Quand quelqu'un viendra ici me donner la prophétie, tu vas enfanter. Je dis Amen, je reçois de tout mon cœur. Mais mes regards sont sur Dieu. Et je bénis Dieu parce qu'il ne m'a pas donné des enfants physiques, mais il m'a donné des enfants spirituels. Amen. Suis-je pas heureuse? Suis-je pas une mère? Est-ce que vous êtes dans l'obligation de m'appeler maman? Mais vous le faites. Est-ce que je vous ai enfanté? Est-ce que j'ai même la capacité d'enfanter tous ceux qui sont ici? Non. Mais parce que Dieu a vu que je le sers de tout mon cœur, de toutes mes forces, voilà pourquoi il m'a donné des enfants comme vous. Alléluia. Amen. Et il continuera à me donner des enfants fidèles, dignes, qui vont m'honorer. Parce que le tout n'est pas d'avoir simplement des enfants, mais c'est d'avoir des véritables fils et des filles qui reconnaissent que toi, tu es leur maman. Et qui ne te trahiront jamais. Alléluia. Amen. Le tout n'est pas d'avoir des fils et des filles. Parce qu'aujourd'hui, on veut ouvrir des églises pour avoir simplement des fils et des filles. Non. Moi, je ne veux pas avoir simplement des fils et des filles qui vont m'appeler maman pour m'appeler de bouche. Mais je veux avoir des fils et des filles véritables qui vont m'honorer. Et je passerai mon temps aussi à les honorer en retour. Alléluia. Mais je ne suis pas handicapée parce que Dieu ne m'a pas donné des enfants physiques. Non, 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 non. Je ne suis pas handicapée. Il m'a donné des enfants spirituels et il me comble au-delà même de mon imagination. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimé, ce soir, je te dis, prends ton lit, prends tes soucis, prends tes difficultés, prends tes inquiétudes. Si tu n'es pas encore marié, tu vois 40 ans, 45 ans, 60 ans, bien-aimé. Je regardais encore le témoignage d'une dame avant-hier, 65 ans qui s'est mariée. Oui, si Dieu l'a dit, avance. Dis à Dieu, je ne m'attarde plus sur cela, mais j'avance. Le mariage me retrouvera en route. Si tu n'as pas encore des enfants, avance. Les enfants te retrouveront en route. Si tu n'as pas de travail, avance. Cela te retrouvera en route. Quel que soit ce que les gens disent sur toi, avance. Cela te retrouvera en route. Bien-aimé, on ne peut pas empêcher les gens de parler de nous. On ne peut pas empêcher les gens de nous critiquer. On ne peut pas empêcher les gens de douter de nous. Mais si Dieu ne doute pas de toi, c'est le plus important. Amen. Amen. Si Dieu ne doute pas de toi, c'est le plus important. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi et marche. Amen. Et avance avec Dieu. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Lève-toi et marche. Bien-aimé, nous allons nous lever et nous allons prier. Tu vas te lever avec moi. Si toi, tu es à la maison et que tu nous suis, lève-toi aussi du lieu où tu te trouves et nous allons prier ensemble. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de me lever ce jour et d'avancer avec toi main dans la main. Quel que soit ce que mes oreilles ont entendu, quel que soit ce que mon cœur a ressenti, quelles que soient les blessures que j'ai eues, quelles que soient les inquiétudes que j'ai eues, quelles que soient les critiques que j'ai eues au plus profond de mon cœur, Seigneur, donne-moi la force de ne pas rester infirme face à cela, mais d'avancer avec toi, de regarder qu'à toi et d'avancer avec toi. Bien-aimé, prie. Seigneur, donne-moi la force d'avancer, Père. Donne-moi la force d'avancer, Seigneur. Quelles que soient les choses qu'on a pu dire sur moi, quels que soient les coups que j'ai pu recevoir, quelles que soient les critiques qu'on a pu me donner, Seigneur, donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la force d'avancer, Seigneur. Je voudrais marcher et avancer avec toi. Je voudrais marcher et avancer avec toi. Seigneur, je ne voudrais pas m'attarder sur ce que les gens disent. Je ne voudrais pas regarder à ce que les gens disent, Père. Mais je voudrais regarder à toi.
Tu es venu me dire ce soir, lève-toi et marche, Père. Je me lève et je prends mes soucis et j'avance. Je prends mes infirmités, j'avance. Je prends mes inquiétudes et j'avance. Je prends mes difficultés, j'avance, Père. Oui, Seigneur. Je ne regarde pas derrière, mais je regarde devant toi. Je regarde devant toi, Seigneur. Tu ne m'as pas donné de l'or. Tu ne m'as pas donné de l'argent. Mais tu m'as donné la vie. Tu m'as donné le souffle de vie. Tu m'as donné la santé. Tu m'as donné la paix. Tu m'as donné la joie. Et chaque jour, tu renouvelles tes beautés dans ma vie. Comment puis-je ne pas être reconnaissante pour ce que tu fais? Malgré, Seigneur, cette infirmité dans ma vie, Père, je ne regarde pas cela, mais j'avance. J'avance, Père. Je regarde à toi et j'avance. Et je sais que la guérison me trouvera en chemin. Je sais que la restauration me trouvera en chemin. Je sais que la joie me trouvera en chemin. Je sais que la vie me trouvera en chemin. Père, merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Merci Jéhovah. Merci Papa pour tout ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant que nous étions en train de prier, bien-aimés, il me venait quelque chose dans la tête où la Bible dit que Paul avait une écharde au pied. Paul, serviteur de Dieu, avait une écharde au pied. Et Paul faisait l'œuvre de Dieu malgré cette écharde qu'il avait au pied. Malgré ce souci qu'il avait dans son pied. Cette blessure qu'il avait dans son pied. Il servait Dieu. Alléluia. Amen. Malgré cette infirmité qu'il avait sur son pied. Il servait Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces. Amen. Alléluia. Amen. À un moment donné, il allait voir Dieu. Il dit à Dieu, mais Seigneur, tu m'utilises puissamment. J'ai guéri les gens. Je prie pour les gens. Tu te manifestes dans la vie des gens. Mais mon pied là, Seigneur, souviens-toi de mon pied. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Je veux dire à quelqu'un ce soir que la grâce de Dieu te suffit. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir, la grâce de Dieu te suffit au nom de Jésus. Amen. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Amen. Dieu lui a dit, cette infirmité va rester là. Mais la grâce que j'ai déposée dans ta vie te suffit. Amen. Ma grâce, la portion de moi que j'ai déposée dans ta vie te suffit. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quel est le problème que tu as, quelle est l'écharde que tu as dans ton cœur qui te rend infirme. Mais je veux que tu pries ce soir et tu dises à Dieu, Seigneur, malgré cette écharde que j'ai, Père, je me lève et j'avance. Parce que ta grâce est sur moi, bien-aimé. La grâce de Dieu est sur nous parce que tous les matins, il renouvelle ses bontés en nous. Amen. Alléluia. Amen. Dis-lui que Seigneur, j'avance malgré cette écharde. Que cette infirmité qu'il y a dans mon cœur, sur mon corps, ne m'empêchera pas d'aller de l'avant et continuer de marcher avec toi. Prie avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, Papa, j'avance, Père. J'avance, Papa. Malgré que les médecins ont dit je suis stérile et que je n'enfanterai pas dans le physique, Père, j'avance. Malgré, Seigneur, que tout ce que les médecins ont pu dire sur moi, Père, j'avance. Papa, je ne me focalise pas sur leur verdict. Je ne me focalise pas sur mes lacunes. Je ne me focalise pas, Seigneur, sur mes infirmités. Je ne me focalise pas sur mes soucis de santé. Je ne me focalise pas, Seigneur, sur ce que les gens peuvent dire. Mais j'avance, Seigneur. J'avance avec toi. J'avance avec toi. Tel que tu m'as dit, lève-toi et marche, Père. Je marche vers la direction. La direction que tu m'as donnée. La direction que tu as tracée pour moi. Je marche, Père. Je marche, Seigneur. Je marche, Seigneur. Et je ne laisserai personne. Je ne laisserai rien m'empêcher de faire ton œuvre. Je ne laisserai personne m'empêcher de continuer à marcher vers toi. Je ne laisserai aucun souci, aucune difficulté m'empêcher d'avancer, Père. Oui, je marche. Je marche, Père. J'avance vers toi. Et je te dis merci. Merci parce que tu m'as choisi. Merci parce que tu as fait de moi ce que je suis. Merci, Seigneur, parce que tu m'as établi. Merci, Seigneur, parce que tu m'as oint. Seigneur, auparavant, rejeté, calomnié, critiqué, Père. Cela était comme un fardeau dans ma vie. Cela était comme un handicap, Père. Mais tu as fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te remercier? Seigneur, j'avance, Père. Je prends, Seigneur, mon lit et mes soucis. J'avance. Toi, tu te chargeras de moi. 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 Au nom de Jésus. Tu te chargeras de moi. Tu te chargeras de ces soucis. Tu te chargeras de ces difficultés.
Peu importe les choses, j'avance. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, à une époque de ma vie, je désirais tellement le mariage. Oh Seigneur. Quand il me rappelait ça il y a 2 jours, il me dit, regarde d'où tu sors, regarde d'où tu viens, regarde ce que j'ai fait de toi, regarde. J'étais tellement dans la joie. Je voulais même m'asseoir pour faire un direct sur la page prophétesse. Partager ma joie avec vous. J'ai désiré tellement me marier, tellement, que j'ai fait des choix bien-aimés dans ma vie, parce que j'ai désiré le mariage. En fait, je ne désirais pas le mariage pour moi, mais j'avais envie de prouver quelque chose à tous ceux qui ont dit des choses dans ma vie. Une chose est de désirer quelque chose pour la gloire de Dieu, et une en est de désirer quelque chose pour montrer aux gens que je suis capable. Alléluia. Tellement les insultes, les critiques, les calomnies que j'avais subies dans mon enfance, je me disais, je vais prouver quelque chose à ces personnes-là. Dieu m'avait déjà restauré, j'avais déjà eu Dieu, mais je me disais, il faut à tout prix que je me marie. Je vais leur prouver quelque chose. Et quand j'étais dans cet état d'esprit bien-aimé, le Seigneur me disait, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Et quand j'ai compris pourquoi est-ce qu'il fallait que je me marie, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ta grâce me suffit. Et quand tu voudrais que je me marie, je me marierai. Et avec celui que tu auras choisi pour moi. Alléluia. À une époque de ma vie, bien-aimée, je désirais tellement avoir les papiers. Je suis arrivée dans ce pays. J'ai fait 8 ans sans papiers. J'avais tellement envie d'avoir les papiers. Seigneur, il me faut les papiers. Je suis rentrée dans des plans, des manigances pour avoir les papiers. Je vous ai déjà raconté ce témoignage. Toute route que je prenais, Dieu fermait. Toute route que je prenais, Dieu fermait. On arrêtait même ces gens. Ces gens fuyaient même avec mon argent. Parce que Dieu me disait, ce n'est pas là que moi je t'attends. Ce n'est pas mon chemin. Et quand je vois mon passé, et là où je suis aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux que glorifier le nom du Seigneur. Parce que je ne suis pas là où je suis aujourd'hui parce que je le mérite. Non, je ne mérite rien de la part de Dieu. Mais je suis là où je suis aujourd'hui parce qu'il le veut. Parce qu'il a déposé sa grâce dans ma vie. J'ai ce mari que j'ai aujourd'hui parce qu'il a décidé ainsi. J'ai ces enfants spirituels qui sont autour de moi aujourd'hui parce que Dieu a décidé ainsi. Il y a un moment, celle qui était ma mère spirituelle me disait, Dieu te donnera des enfants spirituels. Il dit, moi, des enfants, je vais faire quoi avec? Moi, je ne vais même pas avoir une église. Moi, même marier avec un pasteur, jamais. En fait, tout ce qu'elle me disait, je disais non. Et me voici aujourd'hui. Et j'ai de merveilleux enfants spirituels. Je vous aime. Je le dis sur l'autel de Dieu. Je vous aime d'un amour sincère. Sans intérêt, sans rancune. C'est juste une parenthèse que j'ai ouverte et je la ferme. Bon, ne pleurez pas, il n'y a pas les pleurs ici. Je vous aime, tous autant que vous êtes. Avec vos bonnes habitudes ou vos mauvaises... Oh, on ne pleure pas ici. Hein. Avec vos bonnes habitudes et vos mauvaises habitudes, je vous aime. Pour rien au monde, je ne vous changerai. Parce qu'il faut de tout dans un poulailler. Il faut de tout. Et vous êtes une bénédiction pour moi. Sachez-le. Peut-être que je ne vous dis pas souvent, peut-être que je peux poser des actes qui vous blessent, qui vous offensent, mais sachez que vous êtes une bénédiction pour ma vie. Alléluia. Et c'est à cause de vous que Dieu me met ici. Même ceux qui sont à l'extérieur, Sylviane, peut-être, je crois, qui est connectée, qui me suit, je voudrais qu'elle sache que je l'aime, même si elle est à distance, peut-être, je ne lui dis pas souvent, mais qu'elle sache que je l'aime. Je l'aime. J'aime son mari et ses enfants, parce qu'aujourd'hui, elle fait partie de moi. Et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, je ne sais pas qui est connecté et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, j'avais tellement envie que Dieu me bénisse. Et je suis restée, Dieu me dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Amen. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, garde le mariage. Garde, je ne veux plus le mariage. Je ne veux plus le mariage, garde-le. Ce que je veux, c'est te servir. Amen. Amen. Et c'est sur le chemin du service que Dieu m'a dit, comme tu as compris, prends le mariage. Comme Amen. Tu as compris, prends les enfants. Amen. Comme tu as compris, prends ceci. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je peux le dire, bien-aimée, je suis française depuis 1 an. Je n'ai pas souffert pour être française. Je ne me suis pas
corrompue pour être française. Je n'ai pas payé quelqu'un pour qu'on me donne la nationalité française. Mais Dieu m'a dit, parce que tu m'as été fidèle dans les petites choses, je te donnerai de grandes choses. Prends ta nationalité. Et il fallait que Dieu me donne cela parce qu'il m'a dit, je t'enverrai de par les nations. Je t'enverrai de par les nations. Et depuis que Dieu m'a dit cela, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai des fils et des filles spirituelles qui viennent de partout. Je vous dis, profitez encore de moi, hein, parce que je risque beaucoup de voyager. Profitez encore. J'ai des fils et des filles spirituelles qui viennent de partout. Parfois, je me dis, mais pourquoi ils me donnent tant d'amour? Pourquoi ils me donnent tant d'amour? Pourtant, je n'ai rien fait. Amen. Alors, je veux que tu pries avec moi ce soir. Je ne sais pas quelle est l'écharde qu'il y a dans ton corps, dans ton pied. Je ne sais pas l'écharde qu'il y a dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais Dieu te dit ce soir, ma grâce te suffit, élève-toi et marche. Et dis à Dieu, malgré mon infirmité, malgré cette écharde qui est en moi, Seigneur, je ne m'attarderai pas dessus, mais je vais te servir et je vais marcher avec toi.